De là où l'ambassade du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon jeudi, un jeudi qui commence à la fraîche. Il fait 14 degrés dans l'air, 20 degrés dans l'eau, un ciel qui est variable. Cet après-midi, un ciel dégagé, une température à 25. La marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 11h40 avec des coefficients de 7. Sur cette descendante, le vent est offshore avec un secteur est à est-sud-est à un beaufort. Il est faible, un beaufort établi quand même. Le plan d'eau est ridé à lisse, les phases de vagues sont lisses là où les propres. Propre et longue, avec 10 secondes de période orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest, c'est une houle qui est en atténuation, délivrant un déferlement régulier à la hauteur de 30 à 50 cm. Série qui rentre fréquemment à la hauteur de 70 cm. Et on a un petit 80 cm qui arrive à rentrer par moment sur les meilleures bandes de sable. Il y a des petites vagues à surfer, pas folle-folle, pas loin d'être sympathique, mais pas folle-folle, ça déroule pas hyper bien. Mais c'est quand même assez propre. Des vagues qui arrivent à la hauteur de la cuisse, quoi, hauteur de cuisse. La barre est facile à franchir, les vagues sont pas sélectives. C'est praticable pour tout le monde. La note du matin, ça vaut un peu plus que la moyenne, ça vaut 3 sur 5. Il y a déjà une bonne dizaine de personnes à l'eau. Mais si ça déroulait mieux, là, ça serait quand même fortement sympathique. Mais ça déroule pas des masses. Mais bon, il y a quand même quelques bouts à attraper de ci, de là sur les meilleurs bancs. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle qui devrait s'amortir à la mi-journée, à peu près se maintenir ensuite. Le vent devrait passer onshore faible à la mi-journée, se renforcer au nord-ouest cet après-midi. Les prévisions à 9h, c'est donc 50-80 cm, houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent d'est-sud-est à 1. À 13h, légère baisse à 50-70 cm, houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent d'ouest à 1. Et à 17h, 50-70 cm, houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-ouest à 2. Ben, y a des conditions praticables toute la journée. Le meilleur créneau, il est ce matin, avec le max de taille et le vent offshore. Le prochain point est à 8h32.